Bienvenue sur Jeff Photography. Donc, l'épisode du jour, je vais vous expliquer comment je suis passé du Canon EOS 450D au Canon 70D. Donc, je vais vous faire une petite comparaison entre les deux modèles et vous dire ce qui m'a fait passer de l'un à l'autre et à la fin, bah, vous faire un retour d'expérience pour voir si je pense que j'ai eu raison d'investir et de passer un modèle expert. Donc, si vous voulez savoir la suite, suivez-moi. Donc voilà, donc depuis octobre 2015, donc ça fait même pas 6 mois encore, hein, je me suis acheté un Canon 70D. Donc, j'ai franchi le cap d'un modèle un peu plus haut de gamme. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de répondre, en tous les cas pour ce qui me concerne, à la question qu'on se pose tous, est-ce que ça vaut le coup et dois-je passer un modèle supérieur pour faire mes photos au quotidien, voire me faire plaisir? Donc voilà, donc, tout d'abord le Canon 450D, hein, qui est un très bon appareil que j'utilisais jusque cet été pour faire de la photo, je dirais, en bon père de famille, et aussi pour faire de la photo de produit, c'est-à-dire ce qu'on appelle le packshot, parce que ma femme tient un site, une boutique internet de vente en ligne, et donc je fais depuis quelques années déjà les photos pour mettre sur la boutique. Donc cet appareil-là me convenait jusque-là. Et c'est vraiment pour des raisons plus à l'initiative des problématiques par rapport aux photos pour la boutique que j'ai été amené dans un premier temps à chercher un autre appareil qui réponde à mes besoins. C'était quoi les problématiques? C'était en fait que une fois que j'ai mis l'appareil sur un trépied, et comme je fais des photos de produits, je fais des photos vues de haut, bah c'était pas simple de faire le réglage, de voir dans le viseur où j'en étais. Enfin, j'avais une vraie problématique. Donc là. Première question que je m'étais posée, c'est de trouver un autre appareil. Je ne partais pas forcément vers un appareil haut de gamme ou en tous les cas d'une gamme supérieure. Je voulais un appareil en tous les cas qui me permette de faire du Wi-Fi pour avoir mon appareil suspendu et pouvoir me connecter en Wi-Fi et éventuellement pouvoir avoir de la view, c'est-à-dire un écran orientable. Donc c'était vraiment sur ces deux critères-là que j'ai cherché sur Internet et globalement surtout sur YouTube quel modèle pouvait me correspondre. Et c'est là que j'ai trouvé en fait le 70D. Du coup, j'ai pas mal investigué dans des chaînes comme Mon Petit Réflexe de Sylvain Lepoutre, où il a fait carrément toute une série de 15 épisodes sur le 70D, donc je l'ai dévoré en long et large en travers pour voir si l'appareil pouvait correspondre à mes besoins. Et puis ben, j'ai décidé de franchir le cap pour mon anniversaire, donc au mois d'octobre, pour mes 50 ans. Donc voilà, parce que bon, c'est quand même un investissement. Et en même temps, ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que les raisons pour lesquelles je voulais regarder, c'était pas vraiment des raisons de passionné de photographie, mais à force de chercher, de me balader à la fois sur les chaînes YouTube et de regarder tout ce qui se passait, les techniques, les enseignements qu'on pouvait trouver à droite à gauche, ça m'a passionné, ça m'a intéressé, j'ai développé et depuis ben, je m'y suis mis vraiment, donc au point de vous voyez maintenant de monter ma chaîne. Donc, avant de vous expliquer les caractéristiques, je dirais, du 70D, si tant est que vous ne les connaissez pas, je voulais revenir un petit peu sur les propriétés du 450D, qui est un très bon appareil, hein, je pense qu'il. Pour sa gamme et pour l'époque, hein, parce que c'est un modèle qui est sorti en 2008, je pense qu'il était très bien. D'ailleurs, je crois sur Miss Numérique, hein, ou sur Les Numériques plutôt sur le site, il est noté 5 étoiles. Hein, donc, d'ailleurs, j'en suis très content. Donc, c'est un appareil photo que j'ai acheté avec un kit 18-55, comme souvent pour débuter. C'est un appareil photo qui fait 12 millions de pixels. En ISO, il monte à 1600. Donc, il a un écran. Je dirais la view et bon les boutons classiques pour accéder à tous les menus. Donc là, je ne vais pas rentrer faire une explication détaillée de tous les menus. Mais bon, donc on retrouve toutes les possibilités. En termes de mode, on a un mode scène classique automatique, mais aussi on peut faire de la priorité ouverture, la priorité vitesse et un mode manuel. Donc je dirais pour l'utilisation que j'en faisais jusqu'à maintenant, qui était jusqu'à cet été quasiment souvent en automatique. Ça me convenait très bien, je pense que c'est un très bon appareil. Par contre, avec les limitations que je vous ai exposées tout à l'heure, j'ai recherché. Et ce que j'ai retrouvé sur le 70D que j'ai pas trouvé sur le 450D, c'est d'une part ce que je vous disais tout à l'heure, le 70D fait un mode Wi-Fi. Donc c'est pratique, typiquement quand je fais des photos de produits, je mets la tablette à côté en Wi-Fi, je vois exactement tout ce qui se passe et ça me permet de commander la prise de vue. Donc ça, c'était vraiment un des critères. Il a un écran
qui permet de gérer du live-view, qui a un écran amovible. Et ce qui est pratique, c'est qu'il permet à la fois de se voir quand on est en face, et notamment, c'est avec cet appareil que je me filme tous les épisodes. Hein. Vous avez bien vu, là, en ce moment, je me filme avec ma caméra Sony. Hein. Donc, si vous avez vu un des mes derniers épisodes, vous avez dû voir le type de modèle que c'est. Donc, je me filme avec ce caméscope, qui fait donc de la vidéo, contrairement au 450D. Et avec ça, je peux me voir, et puis éventuellement, je peux même le retourner. Enfin, je veux dire, c'est très pratique. En plus, l'écran... Si je l'allume, voilà, donc l'écran est tactile. Donc par exemple, si je suis en mode live view, donc là j'ai un bouchon dessus, voilà, donc je peux derrière faire de la mise au point, je peux accéder à mes menus, à régler un certain nombre de choses, donc je vais pas rentrer là pour le faire, mais c'est très pratique, et notamment souvent quand je fais des photos à main levée, je dirais en mode live view, il suffit de cliquer sur l'écran, et ça prend la photo à l'endroit où on veut faire la mise au point. Donc c'est vraiment très très pratique. Donc je referme l'appareil. Dans les caractéristiques de différence entre le 70D et le 450D que j'utilise pas mal, c'est le mode rafale. Donc là, dans le 450D, on peut aller jusqu'à 3 poses et demi, 3 images par seconde. Avec le 70D, on peut aller jusqu'à 7 en rafale. Sachant qu'en plus, il y a plusieurs modes de rafale, un mode de rafale rapide, un mode de rafale lent, où on prend plus que 3 poses, je crois, par seconde. Et il y a même des modes silencieux, bon, que j'utilise un peu moins, mais bon, je serais peut-être amené à les utiliser après. Au niveau montée en ISO, ben, celui-ci monte jusqu'à 1600, celui-ci monte jusqu'à 12800 ou 600, je ne sais plus trop. Sachant qu'il y a un mode pour extrapoler jusqu'à 25000, bon, j'ai jamais trop testé. Par contre, il m'a été amené de faire des photos notamment à 3200 et elles sont très correctes et du coup ça permet de faire des photos en intérieur. J'ai fait des photos d'église par exemple où c'est très sombre, j'essaierai de vous les mettre là ou là pour vous montrer, qui étaient à 3200 ISO et franchement elles sont très bien, on a l'impression que j'ai fait une photo en plein jour quoi, donc c'est vraiment très pratique. Que dire de plus sur le 70D en termes de mode? Ben on a les modes classiques, priorité ouverture, enfin les modes semi-manuel, manuel, on a aussi un mode bulb, ce qu'on n'a pas sur le 450D. Qu'est-ce qu'on a aussi? Alors au niveau ergonomie, on retrouve globalement l'ergonomie générale de Canon, hein, donc qui est très pratique, on a tous la main. Mais l'avantage du 70D, c'est qu'on a un rappel pour toutes les commandes, on a un bouton. Donc là, on a les boutons classiques, mais on voit ici, par exemple, on peut régler les modes de prise de vue, la vitesse si on veut passer en AI cerveau ou en simple si on veut faire du suivi de sujet. On peut régler les ISO, on peut régler le mode de prise de vue, là, le mode de spot ou mesure évaluative ou autre. On peut régler ici les collimateurs, donc pareil de différence entre le 450D qui a 9 collimateurs, ici il y en a 19, et on peut les sélectionner ici un par un ou tout le monde. Ici on peut les sélectionner un par un ou par zone, gauche, droite, milieu ou bas, enfin je sais plus, je l'utilise pas trop parce que moi j'utilise que le collimateur central, mais bon, ça permet déjà de donner un peu plus de latitude pour la composition. Donc voilà pour ça. Donc je vous le disais, on peut filmer avec cet appareil là, il est d'ailleurs très réputé parce qu'il a un mode autofocus dual drive si je ne m'abuse, enfin quelque chose comme ça, qui permet vraiment d'avoir une mode d'autofocus en mode vidéo qui est très souple, sans à-coups. Et d'ailleurs il est très réputé pour ce parti là, et puis bon, j'avoue que j'en suis content, bon, même si je me filme pas trop à l'extérieur, je filme plutôt en intérieur ou juste pour les vidéos. Mais bon, j'en suis très content. Qu'est-ce qu'on a de différence encore? Ah oui, donc dans les différences, on a aussi les vitesses d'obturation. Ici, on peut monter jusqu'à un 4 millième, ici jusqu'à un 8 millième. Qu'est-ce qu'on a? Un mode bracketing, donc ça j'ai utilisé aussi quelques fois. Ici, on peut utiliser du bracketing sur 3 vues. Sur le 70D, on peut le paramétrer entre 3, 5 et 7 vues. Donc ça peut être intéressant si on veut faire du HDR ou autre. On peut faire sur autre chose que soit en manuel, soit en mode automatique où il n'y aurait que 3 vues, quoi. Donc ça, c'est paramétrable. Wi-Fi, j'en ai parlé. Ah oui, au niveau gestion du flash. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Ici, on a juste un flash intégré et on ne peut que
piloter un flash externe que l'on brancherait sur le dessus. Avec celui-là, bon, on a deux, pareil, le flash externe et puis le sabot pour mettre un, enfin le flash interne plus un, le sabot pour mettre un flash interne. L'avantage, c'est qu'on peut piloter un flash sans fil. Donc moi, je fais ça régulièrement, notamment quand je fais des photos en studio, où je mets le flash sur le côté et ça me permet de le piloter. Donc c'est quelque chose de pratique, on peut gérer des groupes d'affectation de flash, on peut piloter plusieurs flashs, ça quelque chose qui est très pratique pour la photo en studio quoi. Donc moi j'utilise ça. Ou sinon, qu'est-ce que j'ai pas dit en termes de mémoire? Donc pareil, 450D, on peut mettre de la mémoire SD, dans les deux cas c'est de la SD, sauf qu'on peut mettre de la SD, la SDHC. Alors du coup je sais plus si ça nous amène maximum à 16Go ou 32Go. Ici c'est de la SD, SDHC et SDXC. Je crois qu'on peut monter au moins jusqu'à 64Go. La seule problématique c'est que ici il faut vraiment une carte SD qui soit très rapide, surtout en écriture, parce que soit pour les rafales, soit pour la partie vidéo quand on filme en full HD, bah, il faut que ça ait le temps d'écrire et de vider le tampon en direct live. Donc je crois la rapidité maximum qu'on peut avoir, c'est de la classe 10, c'est du UHS 1, je crois. Donc moi c'est ce que j'ai pris, hein. J'ai une carte SD qui est en 300 ou 600X. J'ai pu regarder, mais en tous les cas, c'est le maximum, le plus rapide possible que je peux avoir pour cet appareil. Donc voilà. Alors aussi quelque chose, si vous avez Canon, je suppose que c'est un peu sur tous les modèles récents, mais je crois pas que ça existe sur les autres marques, enfin quoique, c'est dans les deux cas, on a un mécanisme de nettoyage du capteur au démarrage et à l'arrêt, donc c'est un petit mécanisme qui fait des micro-vibrations du capteur au moment où on éteint, de façon à décoller les éventuelles poussières, donc ça c'est très pratique. Moi du coup j'avoue, sur un appareil comme l'autre, j'ai encore jamais eu besoin de nettoyer mon capteur. Bon, ça viendra sûrement à force de changer les objectifs, mais pour l'instant, j'en suis content. Au niveau du poids, ça joue aussi parce qu'on voit tout de suite la différence. Donc ici, on est à 475 grammes. Celui-ci, il est à 755. Donc, croyez-moi, à la main et même à bout de bras, ça se sent. Mais bon, après, on s'habitue, hein, de toute façon. Et après, ben, au niveau coût. J'ai acheté ça donc en 2009 avec l'objectif kit, hein, 18-55, j'ai acheté ça 575 € à l'époque, donc c'était dans ce milieu de gamme, c'était quelque chose qui était le mieux, le top du moment. Celui-ci je l'ai acheté donc en septembre-octobre de cette année, je l'ai acheté vraiment au plus bas de la courbe des prix, j'ai eu de la chance, je l'ai acheté à 815 €. Donc j'ai regardé encore maintenant, il est à plus de 900 €, en tous les cas là où j'ai acheté, sans chercher à avoir le prix le plus bas au fin fond d'une boutique d'internet, j'ai acheté ça chez Darty, donc j'en suis très content. Donc voilà pour la présentation des deux appareils. Donc maintenant pour la question de savoir si j'ai bien fait de changer. Alors en termes de fonctionnalité, et je parle bien de fonctionnalité là, il n'y a pas photo, enfin en tous les cas pour moi maintenant j'utilise à fond les fonctionnalités que j'ai là et qui me manqueraient et qui manquent cruellement des fois quand j'utilise toujours celui-là parce que je ne l'ai pas mis au rebut, j'utilise des fois toujours en appareil d'appoint. Donc vraiment celui-ci aujourd'hui c'est mon appareil principal et j'utilise au quotidien pour les prises de vue en studio, pour les prises de vue en extérieur, en rafale, avec le live view, avec le wifi, de pouvoir filmer, les montées en ISO, enfin tous ces points que j'ai pu évoquer tout à l'heure, vraiment je les utilise donc je ne regrette pas. Après, est-ce qu'il fait de meilleures photos? Franchement, je ne vois pas foncièrement la différence. D'ailleurs, ça me fait penser à une caractéristique essentielle que je n'ai pas citée, ou je ne crois pas. Celui-ci il fait 12 mégapixels, celui-ci 20. Donc une différence aussi avec celui-ci, c'est que on peut retailler les photos au développement. Donc ça, c'est quand même pas mal intéressant, tout en gardant donc de fait une définition importante. Donc ça, c'est important. Maintenant, est-ce que ça se justifie pour faire des photos au quotidien de passer à celui-ci? Ben, c'est un peu, je dirais, ce qu'on leur trouve un peu parti sur Internet ces derniers temps. Si on a les moyens, on peut passer à celui-ci pour faire purement de la photo. Mais celui-ci convient aussi. Moi, j'ai pas de problème. D'ailleurs, Sylvain Lepoutre sur la chaîne Mon Petit Réflexe utilise encore, je pense, son 1100D, je crois, par rapport au 110D qu'il a aussi, quoi. Donc, moi aussi, j'utilise les deux, donc il n'y a pas de problématique a priori. Je pense que les deux font de très bonnes photos. C'est vraiment le côté technique où, avec Sissi, on a plus de fonctionnalités pour faire un peu plus de choses. Et puis, moi, j'ai aussi la contrainte de la boutique
Ou bon voilà, j'ai des contraintes techniques de prise de vue qui font que pour moi c'est plus pratique celui-là, avec celui-là c'était vraiment un peu trop compliqué, quoi. Donc est-ce que je regrette? Non. Est-ce que je recommencerais si j'avais le choix? Oui. Est-ce qu'il y a besoin d'investir dans quelque chose de plus performant, de passer un 7D, je sais pas, un 5D Mark III si j'avais des moyens? Franchement, aujourd'hui, je pense pas. Éventuellement, ce que je me dis toujours, c'est que s'il fallait que je change dans un avenir le plus lointain possible, je me pose la question d'aller vers le plein format, et encore, c'est pas dit. Mais j'y pense parce que notamment à chaque fois que j'achète un objectif, je fais en sorte qu'il soit compatible avec plein format et pas un spécifique avec une monture EFS, enfin oui, EFS, c'est ça, enfin que je puisse pas mettre sur un plein format si j'en achète un demain. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Donc on va continuer comme ça. Donc je suis bien content. Donc pour ceux qui ont un 70D, je pense que vous m'en rejoindrez sur le bilan. Pour ceux qui ont un 450D ou un modèle ancien, je pense à un 500D, un 350D ou autre, est-ce que vous pouvez passer à un modèle supérieur? Bien évidemment, si vous voulez faire plus plaisir d'un point de vue technique, mais d'un point de vue de qualité photo, ça n'amènera pas grand-chose de plus. Ça, je pense qu'on est tous d'accord, quoi. C'est pas l'appareil qui fout le photographe, c'est le photographe qui utilise l'appareil pour faire au mieux, quoi. Donc par rapport à ça, je ne fais pas des meilleures photos, sauf que je fais, j'espère, de meilleures photos, mais pas liées à l'appareil, liées au fait que maintenant je m'y suis mis à fond et que j'essaye de réfléchir, d'appliquer des techniques et d'utiliser au fond les capacités de mon appareil. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo rapide, hein, puisque l'idée c'était pas de faire un test complet des deux appareils. Donc j'espère que ce vidéo vous a donné une idée un petit peu du pourquoi je suis passé d'un appareil à l'autre, de l'utilisation que je fais de celui-ci. Celui-ci, je vous dis, je le garde toujours en appareil du poing parce qu'il marche très bien et j'en suis toujours content, donc il n'y a pas de raison. Donc si vous vous posez la question d'investir, à vous de voir si vous avez vraiment les moyens. Merci de m'avoir suivi. Donc si vous avez des commentaires ou des questions sur un appareil ou l'autre ou tout autre, n'hésitez pas à poster des commentaires là. Mettre un petit j'aime si vous aimez. Et puis si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à vous abonner. Dans tous les cas, vous connaissez la logique des 3P. Passion, partage et surtout plaisir. Faites-vous plaisir, que ce soit avec cet appareil-là ou avec celui-là. On peut vraiment se faire plaisir et à faire de belles photos. Merci, au revoir.